Bonjour, moi c'est Maëva. Je suis aide-soignante au jardin d'hiver. En ce moment, avec la Covid, côté soins, on commence à s'organiser. Par contre, les relations avec les familles, c'est pas encore ça. Monsieur Régis, vous avez l'air préoccupé ce matin. Vous savez, Maëva, c'est le premier anniversaire de mon petit-fils que je ne passerai pas avec lui. Mais si, on va trouver une solution. Ah bon, vous croyez ? J'arrête pas d'envoyer des mails aux familles pour les informer. Mais je sens bien que ça suffit pas à les rassurer. Ben oui, je les comprends un peu. Et pourtant, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on fait plus rien. C'est vrai. D'ailleurs, l'équipe a pris des photos des activités. On pourrait peut-être les partager aux familles. Ben pourquoi pas ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes monsieur ? Monsieur Dumas. Ah oui. Votre papa a un peu de mal à respirer cet après-midi. Enfin, je comprends pas. Ce matin, ça allait bien. Les gens appellent tout le temps. Les infirmières répondent jusqu'à 100 fois par jour. C'est lourd. Alors elles ont eu l'idée d'un tableau de suivi des appels. Oui, oui, ma collègue a eu votre frère ce matin, je sais. Tout allait bien. Mais depuis, son état s'est dégradé. Ne vous inquiétez pas, le médecin est là. Joyeux anniversaire, Billy. Joyeux anniversaire. Allez, souffle, Billy, vas-y, souffle. Allez, c'est bien. Allez, vas-y. Ah, vous vous débrouillez drôlement bien, monsieur Régis. Je peux vous laisser seul avec la tablette ? Oui, parce que là, j'ai une autre visioconférence et tout le monde n'est pas aussi doué que vous. Vous êtes gentil, hein ? Ah, il est beau le gâteau, hein ? Il est beau. Bon, bah, pour ce matin, ça s'est plutôt bien passé. J'ai presque fini toutes les toilettes. Moi, par contre, les animations en chambre, ça me prend un temps fou. Je peux jamais voir tout le monde. Il y a des résidents qui n'ont pas fait d'exercice depuis 10 jours. 10 jours ? C'était quand même plus simple avant le Covid quand on pouvait faire en groupe. J'ai peut-être une idée, mais il faut d'abord qu'on en parle à la cadre. Ouais. Allez ! On lève bien les bras ! Très bien, Madame Pilaf ! Ça fait plaisir de le voir comme ça. Mais oui, ça faisait longtemps. Plus haut, voilà, c'est bien. Je viens de recevoir le mail de l'ARS. Ça y est, on déconfine. Oh. Ah. On va enfin pouvoir reprendre une vie normale, avec les animations, la coiffeuse. Et surtout, les résidents vont pouvoir remanger ensemble au réfectoire. Bon, il faudra penser à refaire les plans de table pour que personne ne se retrouve seul. Évidemment. T'as raison. Et enfin, on va pouvoir accueillir les familles à nouveau, en respectant les gestes barrières. Bien sûr. Madame Pilaf, votre famille est impatiente de vous voir. Bonjour. Mamie. Bon, on est d'accord, on garde les masques et les distances. De toute façon, je reste avec vous. Cette épidémie, c'est vraiment pas facile pour nous. Mais ça nous apprend beaucoup. Pour moi, le plus important, c'est qu'on a compris qu'il fallait travailler ensemble, dialoguer, se soutenir. C'est comme ça qu'on est le plus efficace pour s'occuper au mieux de nos résidents et aussi prendre soin de nous. Ouh, fin de journée. Moi aussi, je suis bien contente de retrouver ma famille. Vivement le vaccin.